16 septembre 2012. Face invisible de la Lune. 14h. C'est la puissance de la funk allemande. George Grant. Pull up to my bunker, baby. Ah, Thierry, en retard. On avait dit 13h45 et pas 14h. 14h? Je crois que je vais te faire souffler dans le ballon, tu as bu. N'importe quoi. Bon, fera. C'est une petite bière. Et mais pendant le repas. D'accord, je te croyais pas des problèmes. Il est mort sous, il se fout de votre gueule, je vous dis, il est mort sous avec le petit bâtard, il sent le vin blanc. Le petit bâtard de Thierry, t'es mort, ben. Bah, les couilles. Et toi, qu'est-ce que tu me viens de travers, tête de shit, t'as jamais vu un beau gosse ou quoi? Et lui, qu'est-ce qu'il a le rageux? Pète à coup, dirais-tu, t'es chié dessus, mon cousin, la grosse tête de Jean-Marie Le Pen, le garçon. Et Max. Oui, mon fera. La porte. Bah ça suffit, allez chercher Goebbels. On pourrait peut-être se mettre à travailler maintenant. Si Monsieur Thierry est disposé à commencer, à moins qu'il veuille une autre petite bibinette. Une tourtelle. En France, des Roumains sont interpellés puis mis en centre de détention. Ça nous rappelle les heures sombres de votre histoire. Excellent travail, il s'inspire de ma méthode. Vous enverrez un télégramme de félicitations à ce petit Nicolas pour la poursuite de mon œuvre. J'ai peur que vous ne soyez déçus. Mon Führer. Tous ont reçu une aide financière de la France, mais certains Roms retournent en France clandestinement pour toucher une deuxième fois cet argent. C'est ce que nous montre cette enquête de nos envoyés spéciaux en Roumanie, Julien Beaumont, Iker Zabala et Séverine Forte. C'est original comme déportation expérimentale. Ça n'est pas comme ça que l'on procède! Je croyais avoir lu dans Marianne que c'était un gouvernement fasciste! Qu'est-ce que c'est que ces allers-retours? Ah, c'est malin, vous m'avez énervé, maintenant vous êtes content, maintenant j'ai l'axe au pied noir, on dirait Roger Hanin, commissaire Navarro, la putain de sa mère! Faudrait remettre la petite mèche, mon Führer. Oui, ça y est, j'ai remis la mèche, merci. Et quels sont les ordres, mon Führer? Vous allez tous vous déguiser en roumain. Monsieur, s'il vous plaît. Vous rendre en France et percevoir cette allocation. L'argent est le nerf de la guerre, pourquoi c'est privé? Ça a l'air facile à obtenir. Allez, tout le monde! Qu'est-ce que vous foutez encore là, vous? Pourquoi vous n'êtes pas parti avec les autres? C'est un ordre. J'ai dit tout le monde. Nous déjà roumains déguisés en allemand, toi donner argent. Toi donner argent, monsieur. Argent, s'il vous plaît, donner argent.